Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te présenter deux nouvelles figurines que je viens de recevoir. D'un côté, j'ai pris le soldat de l'hiver et de l'autre, Black Widow. Pour faire un petit peu d'action, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai pris la marque Hasbro parce qu'on m'a dit qu'Hasbro, il faisait plutôt de la bonne qualité niveau rapport qualité-prix. Donc, ce que je te propose, c'est de déballer un petit peu ça de mon côté et te retrouver juste après. Donc ça y est, j'ai tout déballé. On va commencer par Bucky Barnes. Donc Bucky Barnes, il est plutôt solide. Très franchement, je suis assez content de l'achat. Contrairement au Dragon Star DBZ, je m'aperçois qu'en fait, c'est un peu de la Kaamelott. Et ça, pour le même prix, franchement, voilà, il n'y a pas photo. Il y a pas mal d'articulations, assez solides. Au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau des mains. Il a son bras bionique, la ceinture autour de la taille avec les deux, un pistolet d'un côté, des grenades, des petites recharges, etc. Vous pouvez retirer la ceinture aussi, mais vous ne pouvez pas retirer les armes qui sont dedans. Voilà, il y a aussi son pistolet ici qui est pas mal aussi, vous ne pouvez pas le casser, c'est une espèce de plastique dur assez souple, plutôt souple je dirais. Pareil pour le fusil d'assaut, franchement bien. Ça c'est le casque de Dynamo, en fait il est vendu dans la figurine et plus vous achetez de figurines, à chaque fois vous avez chaque morceau pour assembler à la fin le personnage. Voilà, pour ce qui est de Black Widow, donc Black Widow pareil, toujours franchement solide, bonne matière. Pareil, les mêmes articulations au niveau des épaules, des coudes. Des jambes, vous pouvez bien les plier, bien remonter, franchement il y a pas mal de trucs à faire quoi. Donc voilà, elle est vendue comme ça. Il y a aussi les paires de mains, chaque main c'est pour tenir le pistolet, si vous voulez faire tenir deux pistolets ou alors un pistolet dans une main et l'autre point fermé. Il y a ça, il y a les deux pistolets aussi qui sont là. Et le petit truc sympa que j'ai trouvé, c'est le petit support. Voilà, si ça peut éviter le fil de fer parfois. Donc, ils auraient pu mettre un petit système pour accrocher, parce que c'est pas très pratique, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, c'est assez rapide, c'est assez simple. C'est plutôt pas mal. Apparemment, ça monte, ça descend, vous pouvez le monter. Ouais, non, je trouve ça assez cool. Ça peut éviter de galérer avec le fil de fer, j'avoue que c'est plutôt sympa. Même ça, c'est amovible. Voilà. Plutôt content de Hasbro pour les deux premières figurines. Je pense que je vais continuer sur la même lignée pour les Marvel Legends. Voilà pour la présentation des figurines. Je te les remontre. Franchement, encore une fois, je le répète, elles ont l'air... c'est pas qu'elles ont l'air, je les trouve solides pour le prix. À ça, quand j'irai faire des photos. Je sais pas trop où je vais aller encore, ni ce que je vais faire d'ailleurs. Ce que je te propose, c'est d'aller en faire maintenant et de venir avec moi. Allez, c'est parti!
Bye.